Salut à tous et bienvenue sur PokéChannel76. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au Pokéball Pokémon Go. Donc j'ai réussi à récupérer dernièrement. Donc assez compliqué d'en avoir, perso dans mon secteur. Cultura, il n'y en avait pas du tout. Micromania, les mecs expliquent que c'est sorti depuis un certain temps, alors que je suis persuadé qu'ils doivent confondre avec les Pokéball qui devaient sortir en même date que les Pokéball Pokémon Go, mais qui ne convenaient pas du tout de booster Pokémon Go. Voilà, et au final, j'ai réussi à en trouver à Leclerc Jouet. Donc ça, très bonne chose. En termes de prix, on est dans le prix classique. Donc bah, les Pokéballs, qu'on soit clair, hein, perso, ça fait un bel objet de déco. Voilà. Après, c'est pas hyper pratique à remplir ou à s'en servir, mais en termes de déco, c'est assez sympa. Et donc à l'intérieur, d'après ce que j'ai compris, on a trois boosters et en plus des trois boosters, on a des petits autocollants. Donc on va voir tout ça. J'ai pris là pour la vidéo. Bah, c'est pas que pour la vidéo, c'est pour aussi avancer la série sur laquelle je suis vraiment pas chanceuse. Et donc on va partir sur 5 Pokéballs. J'ouvre tout ça et puis on se récupère direct pour les ouvertures. Let's go! Et nous voici de retour pour l'ouverture. Donc je suis un peu blasé, on va dire ça comme ça, sur l'ouverture des Pokéballs. Pour simple petite chose, c'est que ouais, ça a déteint en fait. Donc comme je disais en amont dans les vidéos, je trouve ça assez sympa pour pouvoir poser sur les étagères et que ça soit assez joli. Et pour le coup, l'intégralité des Pokéballs que j'ai, hop, voilà, que j'ai ouvertes, ouais, y a tout le plastique qui a déteint sur la Pokéball, sur soit des parties blanches ou même des parties colorées. Donc je suis un peu déçu. Bon là, il y a une petite bosse, mais bon, rien de méchant. Faut pas jongler avec des Pokéballs, vous risquez de les casser comme moi. Donc voilà, donc là, c'est juste dommageable par rapport à ça. Donc en tout cas, on va avoir une grosse ouverture à faire devant nous. Donc Pokéball classique et puis après on va aller sur des Pokéballs dites plus rares. Soi-disant une vieille légende urbaine dit que plus les Pokéballs sont rares, plus les drops sont meilleurs. Meilleurs drops les drops sont, hein, c'est comme ça qu'on parle. Allez, let's go, on est parti. Donc premier petit booster, on va essayer de se trouver un petit quelque chose. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert du Pokémon Go, donc ça va faire plaisir. Allez, on est parti. La caméra est posée correcte, tout est bon. Allez, on est parti. Capitaine d'équipe Candela. Herbizarre. Capitaine d'équipe Spark. Evoli. Pikachu. Carapuce. Mimigal. Sofkipou. Un petit Quenoteur. Classique hein. Et derrière un petit Florizarre en holo, ce qui reste sympathique hein. Ce qui reste sympathique. Allez, hop, excusez-moi, je mets mes cartes sur les côtés au passage. Hop, on va même récupérer des petits protège-cartes. Donc ouais, petit autre petit souci, c'est le conditionnement hein. Des Pokéballs, c'est vrai que ça écrase un petit peu les boosters. Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Hop, voilà. Voici pour vous. 1, 2, 3, 4. C'est bon, les manips sont en place. On est parfait. Allez. Super bonbon. Camerupt. Incubateur. Pois chiffon. Magikarp. Onyx. Evoli, oh, je crois qu'il y a un truc. Onyx, Camerupt, et en dessous il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Ça full art. Ça full art, ça full art. Ah, Melmetal. J'ai l'impression de voir un peu du rouge en fait. Melmetal V, que j'ai déjà, il me semble. Et puis bon, là, pareil, un énorme cœur. Ah, quand même. Ouf! J'en perds mon latin! Non, mais c'est abusé. C'est coupé encore comme je sais pas quoi. Mais bon, ça fait plaisir. Au moins, une petite full art, ça commence. Ça commence. Ça commence. C'est déjà une bonne chose. Ça, on met de côté. Hop là. Hop là. Allez. Donc, première petite Pokéball, une full art.
C'est déjà pas trop mal. Hop là. Voici. Super bonbon. Migalos. Carabaf. Dans tout ça, on connaît, hein, Quenotor, pois chiches. Sauce Kipou Magikarp, Meltan, Meltan en reverse. Et derrière, un petit Tortank, Tortank Colo. Bon, bah, c'est quand même assez sympathique, Tortank Colo. Air Bizarre en holo aussi. Et une petite Foularte. On va pas se plaindre pour cette première petite Pokéball. Allez, on continue. Bon, surtout les enfants, les amis, ne pas hésiter à liker, à partager la vidéo, à la commenter. Vous me faites kiffer, en fait. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir des petits retours aussi. Et puis, plus on sera nombreux, comme je le dis, et plus ça sera sympathique sur le long terme. Hop là, voici. 1, 2, 3, 4. Donc, toujours un petit bonjour aux nouveaux abonnés. Un gros bonjour aux anciens abonnés, ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps. Et donc voilà quoi, ça c'était Infect, Aké, capitaine d'équipe Spark, Mimigal. Ratatag, Loa, Quenotor, Salamèche, Capumain. Donc ça c'était un petit Ramelos. Ok, et un petit Pikachu en holo. Bon, bah c'est pas folichon dans ce premier booster de cette deuxième Pokéball qui n'est pas une Hyperball, je sais plus. Allez, let's go. Voici pour vous. 1, 2, 3, 4. Allez, j'espère avancer un petit peu la série, ce serait pas mal quand même. Ce serait pas mal. Deux Fleuzen. Super bon. Camerupt. Onyx. Meltan. Magikarp. Capumain. Salamèche. Xatu en reverse. Et derrière. Derrière, on a un petit truc. Un petit Dracolos qui est toujours joli. Qui est toujours joli. Bon, qu'on a déjà. Mais ça reste sympathique. Donc on prend avec plaisir. Allez, il nous reste une carte. Bah, il y a une carte. Un booster dans cette Pokébox. Dans cette Pokéball, excusez-moi. Ouais, une petite Full Art. Une petite Full Art, une petite radieuse. Allez, on est parti. Bah, j'espère que pour vous, cette série se passe bien, que les ouvertures se passent bien. Moi, je vous avoue, je ne suis pas le plus grand chanceux du monde sur cette série-là. Je pense que vous l'avez tous remarqué. Le Vénard, Solarok, Migalos, Ambrilex, Capidextra, Ramolos, Castorno, Pikachu, Léviator en Reverse et un Nymphalie. En holo. Bon. Bah, c'est pas encore pour tout de suite. Hein. Je voudrais. Donc, qu'est-ce qu'on veut exactement? Qu'est-ce qu'on veut? Au moins, on va peut-être annoncer, comme ça, on va peut-être pouvoir les choper. On veut le Dracaufeu radieux. Voilà, ça, c'est aussi simple que ça. Et accessoirement, je voudrais aussi le Mew alternatif. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment deux grosses cartes que je cherche. Sachant qu'il y a plein d'autres cartes aussi que j'ai pas pour avancer la série, quoi. Mais ces gros hits là m'arrangeraient, ça m'éviterait de les acheter pour pouvoir compléter ma collection. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. 1, 2, 3, 4. Bon, donc là on arrive sur les vraies grosses Pokéballs qui sont censées être plus rentables à ce qui paraît. Légende urbaine. Légende urbaine. Hop. Stylix. Le Vénard. Xatu. Poichigeon. Bulbizarre. Magikarp, Meltan, Evoli, Colombo, et Samouraï.
Bon, voilà, c'était le paquet pour se mettre en jambe, vous inquiétez pas, ça va juste arriver, là, le prochain paquet. Hop, c'est bon, j'ai le bon, j'ai le bon, il est ça, il est là. Attention, ça va arriver, j'ai dit que ça va arriver. Pousse. Voici. 1, 2, 3, 4. Hop, une petite veste à l'intérieur. Allez, le vénard. Solarock, Migalos, Poichigeon, Magikarp, Meltan, Evoli, Pikachu, Carapuce en reverse et un Infali. Ah, c'est dur. Ah, elles sont dures avec moi cette série. Cette série est très très dure avec moi. Elle veut pas me donner du tout de hit. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Pourtant, j'aurais essayé. C'est pas comme si. C'est pas comme si je donnais pas le ma personne pour essayer d'avoir une petite. Voici. Allez, 1, 2, 3 et 4. Allez. Moduleur. Camerupt. Captain d'équipe blanche. Ramalos. Onyx. Salamèche, Kyunotaur, Sovkipou, Migalos, et un Tortank. Ah, je vous jure, je vous jure. Bon, bah, alors là, ça sera vraiment. Ouais. Pas du tout tip top comme opening quoi. Bon. C'est la plus foireuse. Donc deux Pokéball. 6 boosters. Est-ce qu'on peut réussir à avoir quelque chose, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Voici. Allez. Modulaire. Camerupt. Capitaine d'équipe blanche. Carapuce. Meltan. Kyunotaur. Poichigeon. Voilà. Magikarp. Colombo et derrière, s'il vous plaît, un petit quelque chose. Hein. Samouraï, quoi. Oh là 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 là. Comment ça veut pas? Mais ça veut pas du tout. C'est de la folie. Ah, cette série-là, mais je sais pas comment vous expliquer la chose. J'ai pas du tout de chance sur cette série. Vu le nombre d'ouvertures que j'ai faites sur cette série-là, j'aurais au moins dû avoir plus de radieuses automatiquement. Hein, si je raconte pas de bêtises, je crois que j'en ai que deux sur toutes les ouvertures. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Bon, allez, 1, 2, 3, 4. Voilà. Allez, je suis juste content parce que de toute façon, la série, je l'ai quasiment full en jap. C'est le principal. Allez, Air Bizarre. Bah, full, peut-être pas, mais j'ai bien complété. Incubateur d'œufs, le Venard, Kyunotaur. Ah, je crois qu'il y a un truc là. Magikarp, Capumain, Meltan, Colombo, Migalos. Y a un truc, ça brille partout. J'ai vu un chiffre. Mais j'ai les couleurs paillettes comme ça. Moi, j'ai aucune idée. Ça a rien que j'annonce une carte. Capitaine d'équipe Spark. Ok. Bah non, je t'aurais pas annoncé, gars. Bon, bah c'est cool, une petite rainbow. Ça fait plaisir. Ça change un petit peu. On a un petit peu de chance. Après, je vous avouerai que c'était pas encore ça que je voulais. Mais bon. Ça fait plaisir la drop.
Ça fait plaisir d'avoir une petite secrète quand même. C'est très très cool. Non, c'est plus que sympathique. C'est pas fini. C'est pas fini, dernier booster de cette petite Pokéball. Et après, il nous restera trois petits boosters pour terminer en beauté. 1, 2, 3 et 4. Allez. Allez, allez. Moduleur. Xatu. Capitaine d'équipe blanche, Salamèche, Meltan, Capumain, Bulbizarre, Poichigeon, Tyranocif en reverse, et un petit Léviator. En holo. Bon. Allez. Trois boosters pour faire la différence. On va pas se le cacher. Une petite radieuse serait vraiment la bienvenue. Et le Mewtwo Full Art alternatif aussi. Allez. 1, 2, 3, 4. On les appelle. On y croit. Une petite énergie feu pour aller de l'avant. Steelix, Flagados, Xatu, Carapuce, Meltan, Quenotor, Magikarp, Poichigeon, Xatu encore une fois en reverse. Et derrière, on y croit. On y croit, monsieur. Ou pas? Un petit Pikachu. Un petit Pika Pika. Allez, avant-dernier booster. Bon, on a eu trois petits hits pour l'instant. Ouais, trois hits sur 5 Pokéballs. Ça fait tâche. Ça fait tâche. Allez, un petit hit en plus, histoire de ouais. De compenser tout ça, voire deux petits hits, hein, ça serait le minimum. 1, 2, 3, 4. Allez. Petite énergie psy, ça c'est pour mon Mewtwo alternatif, ça. Donc Xatu. Capitaine d'équipe blanche. Solarock. Mimigal. Ratatadolla. Quenotor. Salamèche, Capumain en reverse, allez, s'il vous plaît là. Oh là 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 là. Ah. Sulfura quoi. Même pas vous mettez Dracaufeu en holo, histoire de compenser un petit peu mon désarroi quoi. Ah là 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 là. Allez, dernier. On y croit! On le veut! On veut un hit en plus, merde! Excusez-moi, mercredi! Et voici. 1, 2, 3 et 4. Allez! Une petite énergie feu. Solarock. Incubateur d'œufs. Riptincelle. Onyx, Evoli, Salamèche, Evoli. On aurait eu deux Evoli dans le même paquet en mode c'est n'importe quoi. Pikachu, Capumain, et derrière Capumain, pourrait-il avoir un truc de fafa, de foufou? Eh ben non, il n'y aura rien de foufou. Ça sera un Melmetal.
en holo, tout simplement. Bon, bah ça c'est fait, c'est plus à faire. On s'est fait démonter à moitié la tronche. Je m'attendais à un peu mieux, je m'attendais à plus de hits. J'espérais plus de hits, on va se le dire. Donc en tout cas, le tirage est quand même cool, ce qui fait quand même avancer un petit peu la série pour ceux qui ont suivi les vidéos en amont. N'hésitez pas à regarder, vous avez les playlists si vous voulez récupérer, savoir un petit peu où est-ce que j'en suis dans cette série, voir aussi les tirages que j'ai eu en amont. Donc ne pas hésiter à vous abonner, à liker, à partager si ce n'est pas fait. Et puis, bah, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, bon début de semaine à vous. Ciao, ciao!